vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bullstorm, épisode 10, hein, c'est ça? C'est bien ça, épisode 10. Épisode 10, je reprends la manette, après une belle partie de mon bro Ezekiel, on est arrivé à presque 50 skill shots depuis le début du jeu. On peut se féliciter, applaudissements, c'est très beau. Alors, je vais regarder, alors, les munitions, tout d'abord. Parce que j'ai tout vidé, moi, donc... c'est dégueulasse. le sniper aussi, tant qu'on y est, on a pas mal de points, on va se faire plaisir. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il fout, lui? Je mange. Tu manges. Placement de produits n'aura pas lieu aujourd'hui. C'est toi qui vois, de toute façon, il y a eu Lactel il y a quelques épisodes, bon, pour ceux qui s'en souviennent. Non, peut-être pas rajouter sûr. Allez, je sors d'ici et je continue. Ici. Oh, des électromouches. On en a rien à foutre. On s'en bat les couilles. Pour les trophées, on vous laisse gérer votre partie comme vous le sentez. Démerdez-vous. Aucun respect, ce garçon. Aucun. Coup de pied. Oh oui, les feux de l'enfer. Oh, j'étais chaud. Fais les brûler, bordel de merde. Radiographie. Que dalle. Merde. Merde. Oh, ce double raté. Oh, cette quiche. Fais un graffiti, tiens, pour la peine. Bah ouais, tiens, regarde ça. Oh, oh oui. Au premier loge. Oh là 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 là. C'est vilain. Oh, la belle rouge. C'est encore un placement de produit, ça. Comment ça? Ah oui, la belle rouge. Je pensais pas du tout à ça. Ah, je connais mes classiques. Fous un dans le feu. Prématuré. Précoce. Ah, il se sauve. Oh, je voulais viser son fion. Oh, j'allais le louper, donc j'ai fait exploser. Oh, j'aurais dû prendre le démembreur. Essayer d'en balancer un dans la fournaise, c'est peut-être un truc. Ouais, mais j'aurais dû prendre le fusil à pompe, parce que ça va pas être évident. Bah, choper au lasso, enfin, si t'arrives. Ouais. Ou ouais, un tacle, le tacle ça marche bien, tu vois. Ouais. Oh, mais quoi, il y a un baril aussi. Ouais. Ça va mal finir, ces conneries. Je suis mort. Tu vois ton histoire de balancer les ennemis dans le feu là. Rien à foutre, moi. Hein, c'est toujours la faute d'Ezekiel. Voilà, exactement. Tu vois, ça permet de savoir qu'on est à l'acte 3 du chapitre 2. Je l'ignorais. Et il y a combien d'actes et de chapitres dans le jeu? J'en sais strictement rien. Donc cette info est strictement inutile. Oh, ce bug. On vient de voir à travers la porte. Je pense qu'il doit y avoir 6 chapitres. Oh, j'arrive même pas à faire le 500. Yo les gars. J'aurais dit que t'étais mauvais. Regarde là, tu peux peut-être en profiter pour le balancer par-dessus la rambarde et le foutre dans le feu. Le feu. Je crois que c'est un peu loin le feu. Bon, ça dépend. Bon, allez. Ouais, petite glissade fatale. Oh mon dieu, rush. Bon, c'est à mon niveau les gars. Regardez-moi ce bordel. Voilà. Je suis en train de me dire, Chambre mine. Si t'arrives à encercler un mec avec ton lance-boulette là comme ça, et qu'après tu l'attrapes au lasso, ah bah balance. Est-ce que ça débloquerait pas quelque chose? Bah ouais, est-ce que tu pourrais pas le balancer après Dans le feu déjà. Oh mon dieu. Tu peux le faire. Oh non, oh, cette chèvre. La quiche. Attends, c'est pas fini. Pétasse à la quiche au bourrelet de brebis. Ouais. Ah oui. Chute d'Icar. C'est beau ça. Oh, on va se le refaire ça. Ça pète à louche.
Si t'arrives à en shooter deux, normalement t'as un skill. Oh, il n'y en avait qu'un, c'est dommage. Yeah! Oh, c'était pas mal. Oh, j'ai qu'une munition chargée. C'est valou. Et si tu sautes dans le feu, est-ce que c'est un skill shot? Oh, je l'ai défoncé. Oh, j'ai pas les meilleures armes, j'ai oublié de changer d'arme. Donc quand j'ai pas mon démembreur, je suis pas bien. Il a survécu cet enfoiré. Je suis breakish. Oh oui. Fous-toi dans le feu, tout ce que tu mérites. Oh, carrément. Bah, il chie, m'emmerde. Ça y est, gars. Ah, voilà, Alter Fatal, tu vois, j'avais bien dit qu'il y avait un truc. Ah oui, j'en doutais pas, mais bon, fallait le faire. Non, merde. Non, ça y chie. C'est pas mon ennemi. Énorme, je le voyais foncer sur moi, je me suis dit, merde, putain. Oh, lève-le. Ah ouais. Et après, elle le finit avec son nichon. Ah non, même pas. Je savais que t'étais déjà amoureux d'elle avant de la voir. Oh. J'espère que ça t'a plu, connard. Ouais, bon boulot. Ah ouais. Tu sais qui on est? Vous êtes les débiles suicidaires qui nous sont rentrés dans l'âme. Mais encore. Dead Echo. L'escadron de bras cassés qui s'est rebellé après avoir tué des milliers d'innocents, de femmes et d'enfants. Des milliers d'innocents. T'entends ça, Ichi? Mais c'est qu'on serait devenus des terreurs. À quoi vous jouez, les rigolos? Vous faites pas le poids. Pourquoi vous avez pas mis les voiles? On n'avait pas le choix. Vu la prime que la Confédération a fixée, il fallait absolument qu'on descende l'Ulysse. Hé hey! Calmos. Je veux juste parler. Ah! Où est le point d'évacuation? Est-ce que tu vas nous aider? Calmos. On veut la même chose. Se barrer d'ici. Cet endroit est bien trop dangereux pour que tu survives seul, ma grande. On t'accompagne au point d'évacuation et tu nous aides à filer. Voilà le deal. Ok. Mais si l'un de vous essaie de me toucher, je vous descends. Allons-y. Hé, hey, calme-toi un peu. Moi non plus, j'ai pas confiance. Mais elle doit rester en vie. Je ne me fie à aucun de vous deux, et je n'hésiterai pas une seconde à abattre le premier qui trahira ma confiance. Je suis désolé. Ok. C'est rien. On y va. C'est compris. Il pète de plus en plus les plombs. Quel beau merdier. Ichi. Nous voilà trois dans l'aventure maintenant. C'est la fête. Allez, c'est parti. On va suivre Trishka. Les femmes d'abord. C'est les passages. Quel être vivant fait un truc pareil. Tu balances tes boulettes. Un gang humain pas très évolué avec de drôles de tatouages tribaux. Y'a rien à bouffer, alors les Skulls chassent les Crips. Mais les Crips se défendent et massacrent tous les humains qu'ils croisent. Ah, voilà ce que je voulais. Je veux changer de d'arme. Alors ça, je vais le foutre à gauche. Et moi, je veux ça à droite. On l'avait pas débloqué? Mais on n'avait pas la charge, par contre. Bah. Ah oui, Munition max. Oh, ça, quoi. T'es un ouf. Cinglé, oh. Laisse-moi jeter mes munitions, bordel. T'as plus de sous. Putain de merde. J'ai tout sucé. Pardon, excusez-moi.
Alors... Ça va péter. Ah, bordel. Allez, chie, il marche dessus, il en a rien à foutre. Ça rigole pas. Aucun respect. Oh oui. Ah, il vole. Mais passe au-dessus, connard. Bon, moi j'y vais. Je veux pas du sniper. Oh. Et ouais, je l'ai pas pris. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de l'utiliser. Ouais. Putain, je vais l'utiliser quoi. Tiens. Pleine gueule. Moi, j'adore les tchou. C'est un gros. Moi je dis tu rushes et tu le pompes. Ouais. Ah non, mais. Bah, ça marche aussi. Ah, je l'avais pas pris là. Sur Maxime, tu l'as mis à droite le pompe, non? Bah, c'est à droite. Moi, tu l'as mis à gauche. Donc, oh, coup double. Cool. J'en ai eu deux d'un coup, apparemment. Je repense à cette image d'Ishi qui était ligotée par une grenade, c'est énorme. Ah bah voilà. Putain, mais elle fait chier, elle est passée devant ce moment-là, cette connasse. Salope. Mais il y a un coup de pied qu'elle allait se faire péter la gueule ailleurs. Ouais. Il y a une jambe qui a tout volé devant toi. Et il y a un newsbot. Est-ce qu'il y a des autres connards dans le lot? Ah oui, un gros. C'est le gros. Boum. C'est déjà la pénurie quand même. Un mec qui gagne 10 points en shootant un gros, c'est... C'est la crise. Ah bah tiens, y'a un pompe par terre si tu veux changer. Faut ramasser le pompe, là. Ouais. Attends. On va passer ça. Ok. Alors d'une pompe... On a pas encore débloqué l'arme, mais... Pouah. Oh lolo. Ah, j'avoue, j'étais souffrant, toi. Il m'a pas vu. Putain, c'était bon. Oh oui. Oh, je l'ai découpé. Topless, tiens les gars. Il y a là, ils sont fous quoi, hein, si, ouais. Tranquille. Mais c'est jouissif ce jeu. Trop noyé par la concurrence à l'époque, malheureusement, en 2011. Ici, passe devant. Reste okay. Derrière pour protéger la petite. Oh, j'ai pas encore les charges. Eh ben non. Allez, je vais jusqu'au prochain largazin et je te passerai la main. Il s'appelle Ishii. Enchanté, je suis Trishka. Et moi ? Jason Hunt. Tu es l'archétype du beauf que je déteste. Oh, ça lui a cloué le bec. Et pourtant, ça n'arrive pas souvent. Tiens, tu me fais chier. Tu me fais chier, j'ai dit. Eh ouais les gars. C'est pas... si c'est par là. J'avais un doute. Oh c'est chute d'eau. Fou. T'as pété une mouche. Dégage toi. Ouais. Toi aussi les gars. Tire à l'île. Oh. À nouveau. Tu j'ai déjà tes coups de pompe. Coups de pompe. Mais fous le camp, toi! Oh! Oh. Toi aussi, là! Petit vertige. Ah, je vais aller l'accompagner. Ouais. Pas d'état d'âme pour les robots. Oh. Souris Ishi, on va s'en sortir. Et la pétasse. Le souris, t'inquiète. Ouais. C'est un peu un regard coquin. Oh, elle avait fait un signe de tête, vas-y, viens, on va là-bas. On va là-bas faire des choses dégueulasses. Bon, allez, si t'insistes. C'est vraiment parce que c'est toi. Hein. Pour avancer, faut passer par ces roues. Ouais, alors. Oh mon dieu. Enroué. Ah, il y en a qui est parti dans la roue derrière, je crois. Il y a failli eu retour de flamme aussi. Ouais. C'est pas mal de nouveaux skillshots.
J'ai pas dit que tu pouvais bouger. Ça fait un boucan terrible. L'effet des roues est quand même bien foutu, parce qu'à l'époque ça rendait pas comme ça. Espèce de débile. Oui. C'est un générateur magnétodynamique. Le courant de l'armature va foutre tout le barrage en l'air. On est passé, non? Les rotors te font la malle. Ça me rappelle quelque chose. Ils sont tous aveugles là-dedans, c'est pas vrai. Un peu comme dans Star Wars. Non. Ah bon? Ouais. Les soldats de l'Empire tirent toujours de traviole, ils n'arrivent jamais à tuer un mec à 10 mètres. C'est pas bon. Ça va péter, il va encore y avoir des roues qui vont partir dans tous les sens. Et quand je dis les roues, bon. Tu parles pas de ceux qui ont une couleur de cheveux orange. Je parle de ces roues. Oh, c'est une bastos. Dédicace à tous les roues qui nous regardent. Et ça inclut les roussignols et les roues cool. Oh non, pas les roues cool, please. Si tu bousilles le deuxième générateur, on est foutu. Non, on va le faire. Ça s'est bien passé. C'est vraiment un gros con. Je te remercie, chérie. Je t'aime aussi. Je cours, je me raccroche à la vie. Y'avait pas une corde si à côté? Elle peut pas durer longtemps. Y'avait pas une corde à ta droite? Non, c'est une fausse corde. De la merde. Vas-y, Nico. Voilà, on est en plein dans l'action, donc la vidéo sera un peu plus longue, les gars. Plus de plaisir. Oui, illumination. Oups, faut qu'elle a pas duré finalement ta vidéo. Oh oh. Ça se barre. Comment je fais? C'est quoi le plan? Le plan On la suit. C'est ça ton plan? Oh ouais. Faut qu'on se barre. Ouais, c'est ce que je t'avais dit de faire il y a un quart d'heure déjà. Eh bah putain. Ah, il va encore se cramer les doigts. Oh oh. T'es pas tour. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Le barrage s'effondre. Bah ouais, pourquoi? Oh, regarde-moi cette grosse roue. Oh non, pas de roue, hein, s'il vous plaît. Enfin... On est foutus. Ça me rappelle l'épisode... l'épisode 2. Mais c'est toi qui as foutu la merde. J'ai juste essayé de... Épisode 2, quel mémoire. Bah, je crois que c'est ça. C'est pas l'épisode 4? Oh, je sais plus. C'est toi qui avais commencé ou... Ouais, plutôt l'épisode 4, ouais. Enfin, l'épisode où il y avait une roue qui nous poursuivait. Pour ceux qui s'en rappellent. Une énorme vague. Ah non, 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 non. Oh, putain, j'ai pas le pied marin. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'on va conclure. Oh bordel. Oh, c'était moyen. Ouais. Mais avec un génie comme toi, on risque rien, pas vrai? Dans tout sarcasme, il y a un fond de vérité. On a passé tout notre temps dans l'eau. Pourtant, tu pues encore la merde. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'autre colonne d'Ichi. Un membre de mon escadron est là. Si je le trouve, on pourra partir. Les Crips ont pris mon lasso. Il y avait ses coordonnées dedans. Montons sur ce pont. On aura une vue d'ensemble et je verrai bien où se trouve sa capsule. Pourquoi tu chuchotes? Parce que ce coin est appelé la zone interdite. T'imprimes? Ah, c'est dangereux. Bien. Alors, est-ce qu'il y a un largazin pour pouvoir... Vous voyez comment traverser? Ouais. Pour pouvoir passer la manette à mon bro. Oh oui. Quelle discrétion. Merci.
bordel. La moitié du bâtiment qui va se fondre. Voilà qui est fait. Eh ben dis donc, il était loin sous l'argazin. Eh ben on regardera peut-être les ski shows dans la prochaine vidéo. Je pense, on fera un petit détail. Pourquoi pas. Et tu reprendras la manette pour le prochain épisode. À très bientôt dans Bulletstorm. Ciao. Ciao les amis.